Salut mon petit boubille. Ah, salut Uri, qu'est-ce que tu veux? Ici, on jouait à Dansant la Capucine. Trop rien. Si tu rigoles, tu reçois la tapette. Ah, ça c'est bien, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Meilleur jeu que celui de Zelda. Ouais, bah, de toute façon, Zelda c'est pour les gamins, hein. On commence? Ouais, on commence. Tu me tiens par la barbichette, le premier qui ira aura une tapette. Hé hey. Ok. Ouah. Tu connais la blague de... De quoi que ce soit d'autre? Hé, hey, mon petit boubise. Quoi? C'est quoi cette odeur? Ok, rassure-moi. Quoi? Tu t'es lavé depuis combien de temps? Des lustres. Où est-ce que tu voulais venir par là? Des lustres. C'est ok! Depuis combien de temps tu t'es pas lavé? Depuis des mois. Putain, bordel de merde! J'en étais sûr! Je savais que c'était... Je suis toi pour m'humilier encore! L'important c'est que j'étais touché à ta belle visage. Je suis pas une fille, je suis un mec. Pourtant t'as montré les visages. Oh oui, c'était un fake, je vais te le prouver. Regarde bien. Oh mon dieu, Pantero c'est une fille. Hein? What the? Tu as vu ça? C'était un fake, je le savais, j'en étais sûr. Il a profité pour prendre cette image pour m'humilier encore plus. Ça voudrait dire que tu es une fille. Quoi? Mais t'es con quoi? Là c'est moi et là c'est elle. Ou tu l'as bien compris? Alors ça voudrait dire que tu es une fille. Ah! Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un gars aussi con que ça. Ah! Pshouh! Pshouh! Qu'est-ce que... Pourquoi t'as fait ça, Panthère Rose? Ah! Parce que tu m'énerves. Ouais. Ah oui, en fait, pour la une image de la Panthère Rose en fille, tu peux... Je vais te montrer la preuve et ce n'est même pas la peine d'y penser parce que c'était un fake. Ah oui, ça y est, ça me revient maintenant. Cette vidéo, cette image dont il nous a montré, c'était un fake. En fait, enfin, c'était pas vraiment un fake, mais en fait, c'était une double de Panthère Rose. Panthère Rose version Nada et Panthère Rose version Beck. Tu as un cerveau, contrairement à cette pédochat. What? Boobies, ce n'est pas tous les sapins ta part. Et vous savez quoi? Quoi? Je vais me venger. Pourquoi? Je vais envoyer une quoi? Oh bah bravo, tu n'as même pas de plan. C'est j'ai un plan. Mais pour cela, il faudrait quand même que je trouve une solution. On se trouve à l'extérieur. Quoi? Mais quel extérieur? Miaou. Miaou, miaou, miaou. Arrête de faire n'importe quoi, Oggy. Les vidéos qui n'ont pas de logique, ça énerve les gens. Moi, ça m'énerve pas. Du moment que c'est boobies. Oh, non, mais je te jure, quoi. Vous vous souvenez du trampoline de la dernière fois, lorsque nous étions à la bibliothèque de Wally? Ouais. Et ben on va s'en servir pour jeter une bombe devant la maison du Mickey. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il m'a humilié. Et donc je vais... Bah c'est ce qui arrive, tu sais, c'est toi qui l'a commencé en plus. Mais c'est lui qui a commencé à copier mes vidéos. Donc voilà, je vais jeter une bombe, comme ça il aura la vengeance de sa vie. De plus en plus qu'il s'est introduit de mon univers, il m'a défoncé. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ah oui, ah oui,
Sauf que la vidéo était de chez Missier. Mais c'était un gros sauveur de merde. Mais où est-ce que tu pourrais trouver une bombe? Ça, c'est une très bonne question, là. À ce qui paraît, il y a le laboratoire du cochon dingue. Du cochon dingue? Ouais, du cochon dingue. Avec son assistant, le chat. Hein? À ce qui paraît, c'est l'antagoniste de l'histoire de Sonic. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que... Hé, hey, attends, ça me donne une idée. Si on allait voir, et qu'il pourrait peut-être prêter une bombe. C'est très risqué, tu sais. Je m'en fous! Je vais le voir. Panthéros, souviens-toi ce qui s'est passé chez Nintendo. Il nous a massacrés. Ouais, c'est vrai, ça. Il nous a même pas donné de boubide. Et ça, c'est pas bien. Oh, 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 oh. Moi, le cochon Uptown, avec mon assistant le chat, Timiné. Miaou. Je vais tout faire en sorte de détruire Sonic et ses copains de merde. Tais-toi, le chat. Je suis un mec le plus diabolique du monde. Je vais faire en sorte d'être aussi diabolique que Ganondorf, quoi que ce soit de l'autre. Tais-toi, je te dis. Salut, toi. Hé, hey, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez une bombe? Une bombe? Pour que je vous le donne? Allez tous vous faire battre. Je vais vous défoncer après. Ouais, mais justement, c'est pour faire un truc machiavélique. Ah bon? Oui. Ah ah, j'attends que vous faites des trucs machiavéliques. Mais il y a une seule condition. Tu dois faire en sorte que tu dois être machiavélique. Hein? Ouais, il y a trois règles. 1, faudrait que tu aies un objectif de méchant. 2, faudrait que tu aies un charisme de méchant. Et 3, faudrait que tu aies un objectif de méchant. Le chat, c'est quoi ces règles? Maman. Ah oui, les deux autres étaient corrects, mais le début, bah il allait dire, il faut avoir de bonnes raisons pour être le méchant de l'histoire. Ça me va. Ah bon? C'est parfait. Panthérose, tu vas quand même pas l'accepter. Et c'est qui, Bah, ce sont mes attardés, mes esclaves. Ah bon? Ouais. Oh, mais c'est parfait! Oh oui, parfait! Ça, c'est parfait! Allez, mes très chers compagnons, vous avez 3 leçons à apprendre! On est là, on n'est pas là, chut! Mais bien sûr, il n'y a aucun problème! Et après, quand on s'échappe, vous pourrez donner une bombe! Mais oui! Allez, commençons la leçon! Premièrement, pour être un vrai méchant, il faut... déjà qu'il y a un objectif. Toi, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est détruire la maison de Mickey. Ah bon? Oh. Il n'y a pas que ça. Ouais, me débarrasser de cette salope de Minako et ensuite de cette salope de Machine Girl. Oh, j'adore ces plans. Ouh là 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 là, je vais me plaire. Non. Panthéros, tu ne penses même pas? Boobies. Et vous autres, hein? C'est quoi vos objectifs, hein? Manger des lasagnes. Pouah! Oh, c'est nul comme plan! Même ma grand-mère peut faire mieux! Et toi? Toucher les boobs. Mais t'es vraiment dégueulasse! Mais j'aime bien. Quoi? Ouais, parce que ça s'appelle un harcèlement! J'aime quand il s'agit du harcèlement! Mais toi, manger des lasagnes, ça se fait pas! Donc, voilà, toi, t'es nul! T'es nul! Écoute-moi bien, mon très cher Garfield. Si tu veux pas être un antagoniste... T'es viré! What? Ouais, t'es viré, salope pluie! Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Non, mais... Alors, continue la leçon? Ouais! Et cette leçon, c'est du physique! Allez, les très chers amis, allez faire vos athlètes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toi, le chat débile, tu bouges pas. Non, mais parce que mes braves ne peuvent pas. Boobies. Et encore 2 incompétents. Et toi, tu as intérêt à faire mieux pour le prochain leçon. Ouais, y a pas de problème.
La dernière leçon, c'est la leçon d'intelligence pour savoir c'est quoi un vrai méchant et c'est qui le vrai méchant de l'histoire. Déjà, question numéro 1. C'est quoi cette question? Ah oui, c'est qui est le diable dans Looney Tunes? Ouais. Je veux dire, c'est qui le diable dans Looney Tunes? Quelle manière? Correct! Comment on doit faire pour être un antagoniste? Il faudrait avoir une objectivité de méchant, comme Sasuke veut avoir sa vengeance pour tuer Itachi parce qu'il a tué ses parents. Correct! Ensuite, est-ce que Sasuke est quelqu'un de bien? Non. Correct! Et le dernier, le plus difficile, est-ce que Minako est quelqu'un de bien? Non! Ça n'est pas! C'est une hypocrite! Une salope! Une manipulatrice! Une amuse! À la manière de Bella! Totolette! Correct! C'est parfait! Tu es destiné pour être une antagoniste! Yes! Et maintenant, je vais te donner une bombe et fais ce que tu as à faire! Ouais, y a pas de problème! Allez! Tiens, la voilà! C'est une caillou, ça! Ouais, ça ressemble à du caillou. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que c'est une caillou à explosif. C'est exactement les mêmes matériaux que d'une bombe. Sauf que là, il n'y a pas de mèche. Mais sauf que c'est ce qu'ils ne savent pas, c'est que si tu lances au loin, il risque d'exploser. Ça risque... Bah, ok, d'accord, c'est pas une vraie explosion auquel on aurait jamais pensé. Mais quand même. Ah, parfait. Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à faire quelque chose de mal. Bon, on fait quoi maintenant? Non. Ah oui, faire un plan contre Sonic. Allez, allons-y le chat, plus vite que ça. Oh non, mais j'en ai marre des chats qui sont lents. Où est enfin venu Mickey? Après tous ces moments, j'attendais depuis si longtemps. Belle journée de ma vie pour aller les couillons. Venez avec moi. J'étais venu avec moi. Ah, enfin, j'ai eu ma vengeance. Panthère Rose, tu es vraiment devenu un antagoniste. Ouais. Et alors, biatch? Ça voudrait dire que tu risques de recevoir plein la gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça voudrait dire que si tu es devenu un antagoniste, c'est-à-dire le méchant de l'histoire de cette chaîne, ça voudrait dire que tu risques de poursuivre en justice. Mais n'importe quoi! Hé, hey, toi! Hein? C'est toi qui as détruit la maison de Mickey? Non! Alors là, tu vas recevoir plein cher! Ouh! C'est qui elle? C'est une magique gueule! Ah! Oh, boobies! Tu as l'air jolie! Ah! Pourquoi pas nous? Parce que vous n'avez rien fait de mal. Aouh! Bon, sur ce, je vous laisse. Ça... Je t'avais dit que tu risques de prendre plein la gueule. Non, mais m'en fous, moi. Oh, tu changeras jamais. Et moi, j'aime quand tu es comme ça. Lâche-moi.